Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une autre fois sur ma chaîne YouTube Ibkhouda Fouad. Donc, après avoir reçu plusieurs réponses sur comment acheter des bitcoins en ligne, comment acheter de l'Ethereum, du Ripple, du Bitcoin Cash, du Stellar, du Binance Coin, du NEO et du Tron. J'ai pensé à faire cette vidéo tutoriel. Donc, si vous êtes en Afrique, ou bien en France, ou bien en Belgique, la meilleure plateforme qui offre la possibilité d'acheter des crypto-monnaies est Pipebiz. Puisque Pipebiz, comme vous êtes en train de le voir, c'est une plateforme vraiment flexible qui offre plusieurs choix. Et en plus, c'est la plateforme la moins chère en côté frais. Donc sur Pipebiz, vous allez payer moins de frais pour l'achat de crypto-monnaie que les autres plateformes comme Changer ou bien Local Bitcoin ou bien Binance. Par exemple, sur Binance, vous allez payer 10% de frais pour échanger du dollar contre du bitcoin, mais ici sur Pipebiz vous allez payer que 5%. Et aussi en comparaison avec Changer, prend 12% des frais et Local Bitcoin prend environ 15%. Donc Pipebiz est le meilleur choix côté frais. Donc vous allez économiser beaucoup d'argent si vous achetez du bitcoin sur Pipebiz. Donc excusez-moi pour ce retard, c'était juste une petite comparaison entre Pipebiz et les autres plateformes d'achat de Bitcoin. Donc, pour acheter du Bitcoin sur Pipebiz, vous allez sur pipebiz.com. Après cela, vous choisissez la méthode avec laquelle vous voulez acheter du Bitcoin ou bien une autre crypto-monnaie. Comme moi, j'aime acheter avec Payeer. Parce que c'est une méthode qui ne demande pas la vérification d'identité. Parce que si vous achetez avec un transfert bancaire ou bien avec Skiller ou Nutler, Skiller et Nutler vont vous demander la vérification d'identité. Mais si vous achetez avec Payeer, Advanced Cash ou bien avec votre crédit de crédit, vous n'aurez pas à vérifier votre identité, donc vous allez acheter en mode anonymous et personne ne va savoir que vous avez acheté de la crypto-monnaie. Donc, par exemple, nous voulons acheter 100 USD de Bitcoin. Comme vous le voyez, Pipebiz a pris environ 8,95 USD de frais, avec les frais du Bitcoin qui est de 0,2 USD, vous allez obtenir environ 0,0093 BTC et vous allez obtenir environ 90,85 USD de BTC. Si on essaie Advanced Cash ou bien AdvaCash, comme vous le voyez, les frais sont moins chers avec Advanced Cash parce que Payeer prend une très grande commission sur les transactions. C'est pour ça que le taux de frais était à environ 10%. C'est pour ça que je vous conseille de passer sur Advanced Cash pour acheter du Bitcoin. Donc pour 100 USD en AdvaCash, vous allez obtenir 95$ de BTC. Et avec une carte de crédit, c'est beaucoup plus cher. Donc, le meilleur moyen pour acheter de la crypto-monnaie sur Pipebiz, c'est bien Advanced Cash. Après cela, vous cliquez sur lancer la transaction. On lance la transaction. Et ils vont me demander d'entrer mes identifiants. Comme j'ai déjà un compte, j'ai fait déjà des échanges, je vais directement entrer mes coordonnées pour valider l'échange. Si vous n'avez pas de compte, vous allez sur la section s'inscrire, vous écrivez votre prénom, nom de famille, email, nom d'utilisateur, mot de passe, vous faites le captcha,
Vous acceptez les conditions d'utilisation et vous cliquez sur s'inscrire et vous allez avoir un compte. Après cela, vous devez confirmer votre email à partir de votre boîte email. Si vous ne savez pas comment le confirmer, laissez-moi un commentaire et je vais vous aider sur ça. Donc, on va cliquer sur se connecter. On va mettre notre nom d'utilisateur. Après cela, j'écris mon mot de passe. Juste une minute. Et hop, nous sommes entrés sur Pipis. Ils me disent que le nom d'utilisateur est faux, donc je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer plutôt mon email. Peut-être que je l'ai oublié. Je ne me souviens plus du nom d'utilisateur que j'ai mis là. Parce que ça fait un bail que je suis. Que j'ai pas acheté de la crypto-monnaie parce que j'ai acheté depuis 2017. On va voir. Donc, le plus important, c'est que vous allez valider votre transaction et vous continuez. Ensuite, vous faites le paiement sur Advanced Cash et vous allez recevoir vos bitcoins sur votre wallet BTC. Si vous avez des questions en relation avec Pipebase, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou bien à m'envoyer un message sur mon Facebook et à ma prochaine vidéo tutoriel sur les plateformes en ligne.